Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va se faire un bol à la mangue et au saumon, donc au saumon au sirop d'érable. Vous allez voir, c'est un vrai délice. C'est super rassasiant et équilibré. On a de tout dans la recette, des protéines, des glucides et des lipides. Tout pour passer un super repas, se régaler, tout en faisant attention à sa santé. Ce prend 20 minutes. De mémoire, on est environ à 700 calories pour le repas entier. Donc c'est tout à fait raisonnable pour une personne adulte. Je vous montre comment on fait, on passe en cuisine et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire à la fin de la vidéo. On va commencer par découper une échalote en petits morceaux. Donc on la découpe en morceaux assez grossiers, pas besoin que ce soit hyper fin. Et une fois que c'est fait, on passera au découpage du saumon. Fini avec les échalotes, vous mettez de côté et on va passer au découpage du saumon. On découpe le saumon, alors pareil, ça sera un morceau assez grossier, pas besoin que ce soit super fin. Maintenant que c'est fait, on va passer à la cuisson du saumon. On va commencer par verser une cuillère à café d'huile d'olive dans une poêle et déposer les morceaux de saumon. On va faire cuire le tout à feu moyen pendant 5 minutes environ. On va assaisonner avec un petit peu de poivre. On mélange le tout. Morceaux de saumon de côté. Dans la même poêle, on verse les morceaux d'échalote. Donc moi, j'avais plus d'ail, donc si vous avez de l'ail, rajoutez-en. Ça donnera encore plus de goût à la recette. Une à deux gousses d'ail, c'est très bien. On va presser le jus de demi-citron vert dans notre poêle pour un peu déglacer le tout. Donc là, on met tout le jus. Hein. Ça serait dommage d'en laisser de côté, d'en gâcher. On mélange un peu. Ajoutez environ 3 cuillères à soupe de sauce soja réduite en sel. Donc réduite en sel, c'est très important. On ajoute environ 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et une cuillère à café de maïzena. On mélange quelques instants, à peine quelques secondes, et là on va reprendre notre saumon. On reprend les morceaux de saumon, on dépose dans la poêle, vous mélangez quelques instants pour que le saumon s'imprègne bien de la sauce au sirop d'érable. Vous voyez, la sauce elle commence à épaissir, donc on continue à mélanger quelques instants. On prend un bol, on va y déposer du riz basmati cuit. Donc moi j'ai mis environ 50 g cru, donc cuit vous pouvez compter 125 g à 150 g de riz. Donc là on va prendre la moitié d'un avocat, donc on coupe l'avocat en deux, il faut qu'il soit assez mûr. Voilà, ils sont beaux, j'ai de la chance. Donc là avec une cuillère je retire l'avocat, enfin je retire l'avocat. J'enlève la peau de l'avocat. Là, je vais faire des tout petits traits, enfin des toutes petites incisions sur l'avocat. Dans le bol, je dépose les morceaux de saumon. Poser les morceaux de saumon dans le bol. On y ajoute l'avocat. Et là, on y ajoute des morceaux de mangue. La petite touche finale, un petit peu de ciboulette. Des graines de sésame. Des graines de nigelle ou cumin noir. Si vous n'avez pas de graines de nigelle ou de graines de cumin noir, ce n'est pas rare, vous pouvez vous en passer, mais en général, ça se trouve au magasin bio. Accro, c'est vraiment, c'est un vrai délice. C'est équilibré, donc vous voyez, on peut se faire plaisir tout en gardant la ligne ou en perdant du poids, à condition que vous soyez en déficit calorique, bien entendu. Si vous avez envie de perdre du poids en mangeant ce genre de recette, vous avez un menu gratuit sur 7 jours qui est disponible dans la description. C'est un menu qui va vous aider à déclencher un déficit calorique et vous aider à perdre du poids. Pas d'aliments interdits, vous pouvez manger de tout, donner une perte de poids. L'important, c'est l'équilibre et le déficit calorique. Il n'y a pas de secret. Allez plus loin, vous avez tous les e-books de recettes et tous mes programmes dans la description sous la vidéo. Les e-books de recettes sont composés de recettes 100% exclusives, donc qui ne sont pas publiés ni sur YouTube ni sur les autres réseaux sociaux. Les programmes qui sont disponibles dans la description, ce sont des rééquilibrages alimentaires. Ce ne sont pas des régimes restrictifs. Le but, c'est que vous perdiez du poids si vous êtes en surpoids et que vous mainteniez vos résultats à moyen long terme. Ça ne sert à rien de perdre du poids et de subir l'effet yo-yo et de reprendre tout le poids perdu par la suite. N'oubliez pas, l'équilibre, c'est la clé, associé à un déficit calorique, bien entendu. Et gardez une part de plaisir dans votre alimentation, c'est super important, sinon, malheureusement, vous ne tiendrez pas. Bon appétit et je vous dis à bientôt.